Donc, une appli G-Talk, ma foi, pas mal sympa, avec mes contacts en ligne. On va voir si je comment ça marche surtout. Sales les gars. Alors, il est en ligne, donc ouais, c'est bon, un petit message. Bon, le clavier, je pète un peu un câble hein, pour l'instant. Occupé. Une petite vibration pour signifier que ça fonctionne. Alors, ce que je veux savoir, c'est que s'il il reçoit bien, il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein. Effectivement. Voilà, ça marche. Donc un touchpad, un Jetol pour touchpad, ma foi, bien, bien honnête. C'est une bonne surprise. Très bonne surprise même. Hop, on va plugger ça parce que sinon on n'aura jamais de batterie pour pouvoir finir le test. Donc je vais dire test de Jetalk sur la touchpad. Voilà, donc j'ai pas regardé ce que je tapais, effectivement. Alors ça c'est la même chose mais en kazakh. C'est la Kazakhstan, c'est la version Kazakhstan. C'est toc sur la touchpad. Alors oui, il y avait un truc, j'avais vu annuler. Il y a un truc que il me semble. Voilà. L, large. Je suis un homme avec des gros doigts. Alors je veux des gros doigts. Le fameux scroll dont on parlait tout à l'heure, on va redire ça. Le fameux, le truc pas mal sur Webos. J'espère que dans Scream Sandwich ou une future version de Honeycomb, on va être inspiré par ça. C'est ça. Alors il faut que je fasse l'OTA parce que pour l'instant ça rame quelque chose de correct. Je peux foutre ça en full screen. Je peux adapter en fonction de ce que je veux faire. Pas plus de là. Mais ça promet vraiment. C'est vraiment sympa. Dommage que ça finisse comme ça. Voilà. Un petit mail. Voilà, j'ai reçu un email. Ça tombe bien, on va aller voir. Donc, notre ami qui nous a prêté la musique pour la vidéo, DL la PJ, pièce jointe. Il me semble pour l'instant qu'il n'y a pas d'explorateur de fichiers, donc on ne va pas avoir la possibilité. Donc, important, lecture du son directement dans le mail, hein. Donc ça, c'est le loop fait par Jérémy Hébert. Alias Mister AC Studio. Donc comme je disais tout à l'heure, on va l'avoir dans la vidéo. Donc cette fameuse fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. Je peux normalement voilà, tout faire comme ça. Alors, et comme dans la vidéo du Journal du Geek, on a ces petites latences qu'on a sur les côtés quand on fait ça. Avant, voilà. C'est acceptable, hein, voilà, c'est acceptable pour un produit à 99 euros. Alors. Un truc avec du HTML dedans. Voilà. Le jeu de merde d'ailleurs, mais bon. Nouvelle map. Ouais, c'est cool. Le jeu, j'ai joué une fois. Alors, quelles options on va pouvoir avoir ici? Ah. Donc, on peut savoir à qui d'entre reply. Est-ce que je peux l'imprimer? Localisation des imprimantes. J'ai pas d'imprimante réseau. S'il m'en trouve une, c'est parfait. Il n'y en a pas. A savoir que sur Android avec Chrome Print, tu peux imprimer directement partout, même en 3G, ce que tu veux. Donc quelque chose comme ça aurait été sympa. J'ai pas d'HP, donc peut-être aussi qu'il y a un système d'HP ou quelque chose comme ça. Alors, déplacer vers, brouillon, message envoyé, on s'en fout. Est-ce que je peux signaler par spam? Non, je peux supprimer. Ouais, je veux bien. Ok, pas d'effet ou quoi que ce soit. On aurait pu s'y attendre, hein, mais non. Hop là, la petite carte. Hop là, la petite carte du casse la tête.
Un tour, ma foi, ben, assez complet. Faites voir une petite news république. Donc toujours cette petite latence avant que l'appli se lance. News République qui a vraiment bien joué son coup, il est sur toutes les tablettes et l'application varie en fonction des OS. Ici on va avoir quelque chose de sensiblement similaire à ce qui peut se faire peut-être sur iPad. Moi je me souviens sur Onécombe, c'était très agréable comme appli. D'ailleurs sur Onécombe il y a une appli qui s'appelait 2424 Actu spécial tablette. Ben, c'est une appli orange et ben elle est géniale. Vous avez un de scrolling, etc. Vraiment très sympa. Donc, voilà. Si je veux lire Box Office, tu seras mon fils. C'est pas ma faute si j'ai fait un jeu de mots. Pas mal. Si je veux la partager, voilà, pris en compte, partager. Partager vers Twitter. Ça m'ouvre Twitter. D'accord. C'est nul. C'est vraiment nul. Ok, faut se loguer. Donc l'appli, elle est pas mal. Donc, vous avez vu le système de cartes, c'est très intuitif. Première sortie, donc une finition, ma foi, bien cheap. Pour pouvoir s'auto-proclamer copie de l'iPad, etc., il faut faire un peu plus d'efforts. Ça fait vraiment tablette en plastique. Voilà. Pourrais me demander sur Twitter. Mon ressenti au niveau multimédia. Pour l'instant, je vais aller bidouiller cette petite tablette à 130€, mais qui a quelque chose dans le ventre. En attendant, bien sûr, un portage décent d'Android là-dessus, à savoir que je suis donateur et je vous invite à en faire de même, même si c'est 1, 2, 5, 12, 40, ce que vous voulez en euros, ça va motiver les mecs. Rien à voir avec l'Ocan. Allez, à plus les noobs. Et bien merci à ICI Studio pour la musique, la petite loupe. Voilà, petit bonus pour vous dire un petit peu ce que je pense de la tablette après l'avoir un petit peu utilisée. Donc hier, j'ai fait ce qu'on appelle un jailbreaking. Si vous avez besoin d'infos, vous me demandez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, ce que je pense de l'OS, l'OS est pas mauvais. C'est un OS tablette. C'est pas mal. C'est vraiment pas mature. Il y a un cruel manque d'appli. C'est simple, il y a un player vidéo dispo, voilà, il n'y en a qu'un. Au niveau jeu, il y a 2-3 trucs, des grosses licences. On a rien d'original comme on peut le trouver sur iOS ou sur Android. Au niveau de la finition de la tablette, par contre, je trouve ça vraiment mais daubasse. C'est du plastique, c'est pas qualitatif, c'est tout glossy, ça prend les traces de doigts. Bon, elle est lourde, c'est pas plus mal. Au moins, on se plaira pas que elle fait cheap. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau finition, on pourrait s'attendre à mieux. Quand on voit la qualité de finition d'un iPad, d'une Transformer ou d'une Iconia, avec du métal, de l'alu, des choses comme ça, et ben voilà, à côté, ça n'a rien à voir. Côté tuning, on va dire, y a moyen de l'overclocker d'un 1 à 5, donc comme la 64 qu'on n'a pas vu brader encore, parce qu'elle n'était pas sortie. Très sympa, il faut savoir que on ressent vraiment la différence. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Voilà. Donc c'était le petit bonus, et je vous fais un bisou. Allez, à plus tard les noobs.